monde, ici c'est Quelques Fruits et bienvenue pour une nouvelle vidéo de jeu indépendant, mais cette fois ça change un petit peu puisqu'on se retrouve pour une toute petite compilation de jeux indépendants de merde, je le pense. J'ai téléchargé des jeux indépendants qui ont été notés vraiment pas bien. Et donc je m'attends pas vraiment à un grand niveau, donc je pense faire une compilation, on va voir. Et comme vous l'entendez dans la magnifique le magnifique son qu'il y a derrière, la magnifique instrumentale qui me met dans tous mes états, on se trouve sur un jeu du Seigneur des Anneaux. Et ne perdons pas de temps, tout simplement. Hop, on se met là. Entrez. Press start to new game. I want to press start. Elrond. The ring must be destroyed. Entrez. Gimli. Oui, l'anneau est détruit. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ah, juste baisser le son, c'est infernal. Voilà, comme ça. Quand même, on le sait. Très bien, alors en fait, ils refont juste tout le truc. Donc on va passer. Boromir. Oh non. Boromir. Non. One does not simply walk to the Mordor. C'est le nom du jeu, hein. Hop, tous les liens, tous les jeux ont leur lien dans la vidéo. Allons-y. Press any key to walk. Alors, what is it? Alors, on va presser R pour go. Ah, Boromir, il se déplace. Je mets mon curseur dessus. Ah, donc, hop, R ou T, tout ce qu'on veut. Il semblerait qu'il avance tout seul. On va voir. Bon, pas trop de difficultés. Il grimpe. Alors, Creeper me l'a conseillé. Ah, Boromir, je dirais, il est en moto, Boromir. Il est en scooter, Boromir. Allez, allons faire un petit tour dans le volcan du Mordor en scooter. Détruire l'anneau tranquillement. Et après, j'irai chercher du pain pour... J'irai faire les courses et chercher du pain. C'est limite ça, quoi, le truc. Et absence totale de musique. Et Boromir prend la tête de la course, il avance. Et il va bientôt se retrouver dans un virage extrêmement serré. Oh, Boromir, vraiment sur sa 300 chevaux. Oh, oh la grosse... Oh là, c'est raide. Oh, quelle montée, mais quel moteur. On arrive au volcan. Oh là là, les petits zigzags, la difficulté semble là. What? Félicitations, vous avez fini le jeu. Et sauvé la terre du milieu, vous êtes notre héros. Mais fuck you, jeu de merde. Vraiment, it wasn't just waste of time. C'était vraiment une perte de temps, mais je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je mettrai un j'aime, peut-être le... Je ne sais combien de times j'aime. Et en plus, il y a un score, vous le voyez pas, mais j'ai un score, j'ai fait 171 400. Très bien, hein, jeu suivant. Voilà, le jeu suivant, mesdames et messieurs. Pas de musique sur celui-ci. Donc c'est un jeu d'horreur qui s'appelle Fun and Scary. Creation Present Nightmare Fortress 4. Donc c'est la forteresse du cauchemar 4. Donc il y a une suite. Déjà, on peut voir avec la qualité des graphiques qui suivent que c'est un jeu qui va faire le tour du monde. Allez, entrez dans le cauchemar. Oh! Oh! La sensibilité. Avancer, j'imagine, c'est W. Ah, voilà, ça c'est... Les Américains peuvent aussi créer des jeux de merde. Ok, on dirait que ça c'est pour avancer. Très bien, pas de musique d'ambiance. Tondon, on avance. Alors moi, j'aime vraiment le plafond en briques. Je prendrai le même pour mon futur appartement. Il n'y a plus aucun souhait. Allons-y. Oh, on peut se prendre des murs. Eh, mais vous imaginez même pas sensibilité. Là, je bouge d'un centimètre ma souris. Voilà. Voilà. Il faut vraiment y aller en mode je suis un chirurgien. Et j'assume. Et du coup, je crois que je me suis perdu. D'accord, j'en viens d'ici. D'accord, moi, c'est dans ce sens-là. Alors, est-ce que la musique, c'est fait pour nous faire stresser? Enfin, la musique, s'il y en a une. Oh là là, changement de couleur. Ça s'éclaircit. C'était inutile. Ah, c'était inutile. Et le jeu se ferme tout seul. On peut voir mon écran noir dégueulasse en fond d'écran. Juste parce que j'avais fait ça pour cacher. Parce que j'arrivais pas à adapter le format de ma fenêtre. Oh non, c'est laid. Oh, c'est laid. Allez, jeu suivant, mesdames et messieurs. Oh putain, c'est laid. Et troisième jeu.
Et je suis encore sur la voix du bonhomme qui a créé dans le jeu d'avant le ah, le vieux truc quoi. Ils ont pris un corbeau et ils m'ont arraché un ongle et le corbeau il fait ah. Oh non, tout est dans la poche, tout est dedans. Donc voilà, troisième jeu, je sais pas, j'ai même pas essayé, aucun avis sur celui-ci. Dire qui veut dire cher en anglais. Donc le format du jeu, comme vous voyez, absolument pas adapté. J'ai dû bouger tous les icônes pour pas que vous voyez mes icônes de mon bureau. Enfin même que, quoi que je n'ai rien à cacher, mais bon, allez. Space to play. Allons. Est-ce que ça a parlé? Ah, ça commence. Petite musique détendue. Lundi. Mardi. Space peut-être à nouveau. Oui. Talk, move. Oh, on a le swag de poule. Wesker en mode en mode maison. En mode poseille, en mode souci. Oh, oh là, on ouvre la porte comme ça sans rien. Paf, la porte elle s'ouvre par la force. Salut, toi aussi des lunettes de soleil. C'est la bonne. Talk, Space. J'ai besoin que tu ailles acheter, que j'ai besoin que tu sortes et que tu ailles acheter du lait. Fais ça rapidement. Tu es toujours beaucoup trop long. Ok. Mais c'est super. Regarde, hop, la force. Alors toi, c'est posé avec le petit bruit. Oh là là, mais. Ils ont mis un. Oh, le vendeur il est swag! Pouf! Bobbies! Salut Bobbies! Je veux du lait. Oui. J'ai ton. Chips. Ah bah oui, moi je veux du lait, hein. Ah d'accord, à mon avis c'est le petit dilemme. Ta femme ou ta gueule. Écoutez au hasard. Brrr, que destin va-t-il choisir? Quoi, destin va-t-il choisir? Ah, d'accord, la femme. Bon bah très bien. Merci. En voilà un bon. Bah je t'en prie. Ok, on va chercher du lait. On est allé chercher du lait. Oh non, il a fallu que j'aille de l'autre côté. On rentre chez Bobby. Bien sûr, pour passer d'un côté à l'autre de la rue, il faut passer du. Salut Bobby, excuse-moi. Et voilà, la force. Tranquillou. Voilà. Et l'écran qui s'enlève tout doucement. Oh la vache, je dis. Alors si ça passe aussi lentement que ça, on est mal barré, mesdames et messieurs. Hein. Oh non, il pleut! On continue. D'accord, j'ai mis 3 jours à chercher du lait. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Mon sgeg. Cody, Floor, anything? Would you wait anything on me? As-tu seulement déjà pensé à moi? Cody! Non. D'accord, tu veux que j'aille acheter des fleurs, c'est ça? Hop là, et on ne voit plus. Non, non. On peut pas aller là-bas là? Bon, écoutez, je crois que je vais rater ce jeu de merde. Il faut vraiment avoir envie d'y jouer à ce jeu, hein. Ah, elle veut acheter des fleurs, mais plante. Oh, encore Bobby le retour. Ouais, bon, Bobby, je vais t'acheter des fleurs. Parce que ma femme. Voilà, vous voulez être un mari idéal? Space, pardon, je me gourre. Ah, ah, un nouveau jeu a été fait aujourd'hui. J'ai une copie. Oui. Call of Duty 11. Lequel? Flowers. Bon, ben moi je dis fuck you, hein. Moi j'achète Call of Duty. Merci, Bobby. Tu sais que. Pour être ma femme. Non, je rigole. Ne déconnons pas. Bon, allez. Tu vas voir, je vais. Elle veut dire, est-ce que t'as mes fleurs? Candy, as-tu mes fleurs?
Non, tiens, on se fait une partie de Call of. J'étais raidé. Ah, mercredi. D'accord, en fait, je suis totalement con. Tuesday, c'était mardi. Très bien. Je suis con. Et voilà, vous voyez, dès qu'on rentre chez soi, il pleut. Ça, c'est bien les préjugés, ça. Ah, enfin, mais avec ça à faire, t'attends là. Ouais. Ouais, ça m'abat cette relation. Pas moi, je peux acheter des jeux. Tu mets vrai, on devrait. Ça, c'est ce que les parents disent des fois. On devrait faire un break. Ou les couples, on fait une pause. Même les groupes de musique, on devrait faire une pause. Bon, ben, fuck you, on arrive à 5 minutes de jeu là. Moi, je dis salut. Voilà, je twerk dessus. Tiens, je te twerk dessus. Et je m'en vais. Salut, moi, je m'en vais. Je ne peux pas. Non! C'est un bon jeu de merde aussi. Et voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, cette petite compilation de ces trois jeux indépendants sur lesquels, bien sûr, je n'aurais pas pu faire, une vidéo par jeu, tout simplement. Vous l'avez vu avec le premier et le deuxième. C'était les plus gros exemples. Voilà, bien sûr, j'en referai d'autres sur des jeux indépendants comme ça. C'est super sympa. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook, le lien sera dans la description. Et n'hésitez pas à suivre tout un tas de séries qu'on fait, du Minecraft, de Skyrim Minecraft, des maps en folie, les séries de mon cher ami Creeper78 que je vous invite à aller voir tout de suite après cette vidéo si vous avez le temps, sinon pas de problème, prenez-le quand vous le souhaitez. En tout cas, merci à tous, et pourquoi on se quitte sur une image d'une loutre sur un rocher avec des grandes pattes palmées, je n'en sais rien, mais moi j'aime bien, je trouve ça mignon, donc voilà, fuck you, salut à tous et à la prochaine. Loutre.